Bonjour à toutes et à tous, c'est Phoenix, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 3 sur le let's play de Police Simulator Patrol Duty. Je vous rappelle que ces roches sont issues du stream Twitch de RedbloodX, que ça a été fait en son partenariat et en mode coopératif. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements. Alors, on a de la circulation. Ah oui. Tu verras lors de la, de la vidéo, il y a un bug graphique qui est pas mal. En fait, le pied de la chaise n'est plus là. Si tu veux, la chaise elle est à même le sol et toi t'es en PLS au-dessus. Voilà. Alors, on a deux assignations, donc c'est deux identifications de suspects. Un à Eastern 8 et un à Coverleaf. Et un truc de circulation à North Beach. J'ai regardé le truc de circulation, ce que c'est. Ouais, c'est du stationnement. Ouais. Donc, stationnement, non. Bon, après, stationnement, c'est assez simple en plus à faire. Ouais, bah à la limite, ouais, parce qu'après les autres, je crois que. Alors, le premier, c'est une identification et arrestation de suspect. C'est des trafiquants de drogue. Et la deuxième, trafiquants de drogue aussi. Bon, on se fait un petit truc circulation ou suspect, comme tu veux. Vas-y, circulation, c'est parti pour ça. Allez hop, on confirme. Mission contravention. Du coup, est-ce qu'on prend le 4x4? Ça va être chiant, non? Oui. On peut, hein. Ça va être un peu chiant pour aller mettre des contraventions, tu crois pas? Bon. À la limite, la voiture, je préférerais parce que c'est plus simple à utiliser. Ou alors, est-ce que, vas-y, pour une fois, on teste d'y aller à deux voitures. Ah, si tu veux, ouais. Parce que là, c'est mettre que des contraventions, donc... Vas-y, bah moi, je prends le 4x4. Divisé pour mieux régner. Voilà. Hop, le 4x4, allez. Hop, bah du coup, moi, je prends la voiture de patrouille. Vas-y. On se sent un convoi pour arriver sur la zone? Ouais. J'ai passé avec la voiture en premier du coup. Vas-y, je te suis. Est-ce que t'as la trace GPS du coup dans ton véhicule? Ouais, je l'ai. Allez hop. Attends, c'est moi qui ai les sirènes là ou c'est toi? C'est toi qui as les sirènes. C'est moi. Allez. Voilà. T'es prêt ou pas? Je suis prêt. Ah! Allez hop, on y va. Allez, on y va. J'ai pas regardé s'il y avait beaucoup de routes, mais à mon avis, on est juste à côté. Tu me suis toujours ou pas? Ouais, j'ai failli me prendre un taxi. J'ai vu ça. Ah, par contre, t'avances pas avec ton truc. Hein. Non, c'est vrai que le 4x4 est beaucoup plus lent que la normale. Effectivement. Ah, est-ce que c'est là la bretelle? Ouais, c'est la bretelle. Donc là, on se rend sur le lieu de l'intervention. Enfin, sur la zone plutôt. Ouh. Un peu. Ah merde, j'ai loupé. Demi-tour, collègue. Bah oui, c'est là. Ah non. Ouh, t'as failli toi. Ouais. Il y a une voiture qui passait au même moment. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai pas de sirène alors. Attention, il faut tourner. En fait, on a juste mis les gyrophares, mais... Tiens, regarde, attends, bouge pas, il y en a une là. Le mec, il passe juste à côté de la voiture, il la voit même pas. Ah non, moi, j'étais bon pour aller au point. Bah vas-y, si tu veux, je te rejoins après. Ouais, vas-y. Donc moi je vais au point. Ah bah attends, non. Bah... Non, c'est bon, j'ai une voiture là à faire aussi. C'est bien parce que c'était même pas prévu en plus, ça fait des points en plus. Ouais. Toi tu l'avais prise la promotion agent 3 ou pas? Ouais, bah ouais, je l'ai. Ok, bah ça va être pour, le prochain du coup. J'aurais peut-être dû tester pour voir si je pouvais avoir l'autre voiture, mais bon, je pense pas que ce soit tout de suite, il faut peut-être être sergent ou... ouais, je pense qu'il faut être un peu patient. J'attends pour la fourrière là et je me remets en route. Moi la fourrière c'est bon, elle est arrivée. J'ai la fourrière aussi. Ok, je suis arrivé dans la zone. Ok, bah j'arrive. C'est bon. Et de une. J'en vois là où je suis, il y en a même deux. Il y a un camion et un camion bleu et une voiture jaune. Là, moi je fais la voiture jaune, mais il y a un camion bleu aussi. Bah j'arrive le plus vite possible. J'appelle le remorquage. Ah mais c'est pas possible cette barre de toit là. Ah là. Là si tu veux tu peux faire... Là tu vois où je suis. Tu tournes là, il y a le camion bleu là. Allez, j'y vais. Attends, je rêve ou il y a le taxi qui est juste en face de moi aussi? Ah ouais. Non, j'ai rien dit, ils sont sur bonne place. J'ai pas fait gaffe, hein, j'ai pas regardé moi, donc... Allez hop. Ah, on a un appel d'urgence. Conduite dangereuse, un van gris. Let's go. Tu l'as ou pas le point GPS? Ouais, je l'ai. Attends, j'ai juste une bagnole là que je suis en train de faire. Ah, ok, en plus qui est sur la zone. Je mets la contravention. Bah, ce serait bien. Comme ça, ce sera toujours ça en plus de fait. Ouais, tu vas en premier de toute façon. Avec l'enforceur, moi j'arriverai avec la voiture. Parce que vu qu'ils ont une barre de vie. Ouais. Et moi je pense que tu vois, je suis moins rapide, mais alors par contre, si je fonce dans la voiture, ça doit faire beaucoup plus mal. C'est ça. Là, ça c'est bon. Je sais pas s'il faut attendre la fourrière ou pas, ou si je peux y aller. Par principe, c'est bon, de l'attendre, mais... Ouais, elle est là, la fourrière, de toute façon. Moi, je vais attendre, mais... C'est bon, elle arrive. C'est bon, elle a pris la voiture, là. Allez, je peux aller sur le lieu de l'intervention. Il en reste 3 minutes pour aller interpeller l'autre cuisse. Bah ouais, c'est juste à côté en plus. Il est juste à côté. Ah, ça tombe trop bien. C'est bon, j'ai localisé le van. Attends, je vais mettre mon arme de poing. On va en partir. Arrête-toi. Arrête-toi. J'arrive, je suis là. Ouais, je vais tirer dessus. Ouais, j'ai vu. Enfin, j'ai vu, j'ai entendu. De coopérer du coup. Il refuse la coopération. Et on va le faire coopérer. T'inquiète, il lui reste plus grand chose de vie là. T'es derrière ou pas? Ah, il y a Nolox qui vient de... C'est bon, je l'ai arrêté. Merci Nolox. Je l'ai arrêté, je l'ai arrêté. Allez, sors. Sors. Ah, attends. C'est bon, je l'ai. Ah ouais, ok. T'es au bout. Okay, okay, je voyais même plus. C'est bon. Ah, je l'ai cartonné, mec. Eh, par contre, tu pourrais... Vous seriez prié d'éviter de bousiller mon véhicule de service, s'il vous plaît. J'ai bousillé un peu ta voiture, sorry. Ah, c'est surtout que je t'ai vu passer à 2 cm de moi, s'il te plaît. Bah, c'est les freins. Mais ah, franchement... Oui, toi, tu l'as cartonné à fond. Tu verras sur la vidéo, mec, mais je l'ai chopé. Le premier coup, je l'ai tapé dans le derrière, le deuxième, je l'ai eu en latéral. Sérieux? Excellent. Je suis sorti de la bagnole, j'ai dégainé, et le mec il est passé juste dans mon champ de tir et arrêté. Bah nickel. Bon bah là c'est bon, je vais appeler le remorquage. Ouais. Pour qu'il dégage la bagnole. Attends, genre le... Après, faut attends, tu peux te mettre sur le suspect s'il te plaît? Attends, je peux pas bouger là pour l'instant. Allez. Allez. C'est bon. Parce qu'il faut, bon, faut que je décale ma bagnole. Tu l'as ou pas? C'est bon, je la rejoue là. De toute façon, c'est le vrai flingue en plus. Hein. S'il bouge, boum. Ah, justement, faut faire gaffe. Oula. Mon videur il s'est mis à un endroit. Et là, erreur. Erreur, je comprends pas, je vais tirer. Ah, agent 3, mec. Ah, et moi, sécurité urbaine nord. Ouais. Ça y est, j'ai eu mon grade. Ouais. Ça c'est cool. Bah du coup le véhicule il est parti. Bon bah écoute. Bah écoute ouais. On retourne faire du stationnement du coup hein. Ouais. Ah bah c'est bien, il y a Nolox qui est passé. Nolox c'est un pote de ma promo. Parce que j'ai vu un nouveau followers. Enfin follower. Followers au pluriel. Ah mais j'écrivais pas au bon endroit. Hello monsieur Redblood. Hello monsieur Nolox. Comment allez-vous ce soir? Ah mais en plus le pire c'est que je regarde là parce que je regarde mon deuxième écran mais la caméra elle... Voilà, faut que je m'adresse. Wouhou! Rodéo. Ouais moi ça avance pas mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je conduis pas comme ça hein. En réalité mais... Ah, moi j'ai pas ma voiture ne chasse pas des, de l'arrière de la réalité. Ça sort de Overwatch. Et alors, merde. Ça fait du kill. T'as fait de la partie classée ou pas? Nolox. Bon là on doit donc localiser les voitures qui sont mal garées. Dresser les on va dresser les PV. Waouh. Wow. Là je pense qu'on a viré de la bagnole déjà de toute façon. Bah on est à 60% hein. Donc, ouais donc du coup il en reste. Mais moi je roule mais n'importe comment, enfin quoi que... Je viens de devoir passer ouais. Ouais mais j'étais pas sur un trottoir, j'étais dans un parking, je suis ressorti du parking quoi. Nope, mais du kill évidemment. Qu'est-ce que ce jeu? Alors ce jeu c'est Police Simulator Patrol Duty. Ouais Patrol Duty. C'est un jeu qui est sorti fin juin. Bah, le, ça, ouais. le 18 juin il est sorti. Ouais, le 18 juin sur Steam. Et en gros c'est un jeu de simulation de policiers. Et bah, c'était pas mal du tout en fait. T'as plein de styles d'intervention. T'as comme l'arrestation du suspect. Ou comme là on fait de la circulation. C'est à dire que on regarde les voitures qui sont mal garées. Tu dois enquêter des fois sur les scènes de crime. Tu dois arrêter comme tout à l'heure un suspect qui était en fuite, tu dois arrêter les dealers de drogue, non, t'as plein de choses à faire. Hein. Et ça pour la modique somme de 15 €, on peut le dire. Ouais, voilà, ouais, il coûte que 15 €. Alors par contre, il est pas sans bug, hein, parce que... Oui. Voilà, c'est la première version, faut que les devs ils se remettent dans le code, on va dire, parce qu'il y a pas mal de bugs quand même. Après, c'est normal. Et ce jeu-là a été fait avec le moteur Unreal Engine 4. Moteur assez puissant quand même. Pour la modique somme de 2000, tu te rappelles le Woolly Walla 2006. Ah oui. Avec le Woolly Walla 2006 là. Alors. J'ai trouvé une voiture qui était garée sur une place d'ambulance. Ouais, c'est bon, j'en ai trouvé une là, ici. Une voiture qui est mal garée sur un trottoir. Donc là, on va délivrer une contravention. Automode. Alors ouais, alors du coup, non parce que... Attends, appel remorquage. Ouais, parce que du coup, je découvre un peu le chat sur Twitch. Et je viens de voir que Nolox a mis juste Koulos. Et lui, on va dire le mode du chat a retenu le message en marquant vulgarité. Ouais, Koulos c'est vachement vulgaire, on a appris ça. Bah faut voir la signification dans une autre langue. Bah je sais pas ouais, ce que ça veut dire. Et non, comment t'as réussi à trouver le stream d'ailleurs? Ah on a une enquête pour vol dans une station service. Un vol dans une station service okay. Ouais, c'est parti. Ah, celui qui est le plus rapide, hein. Bah, ça va être toi, parce que moi... Je me demande si c'est pas la station service qui est juste à côté, en plus. Bah, ça serait pas mal. Là, en plus, on est... Ah ouais, en fait, on est à 100% là, pour les contraventions, donc ça, c'est bon. C'est fini. Bah, on peut faire que les... Là, on a plus que les quêtes annexes à faire, du coup, c'est bien, ça. Ah, waouh. Alors, attends, je vais lire ton message, mais là... le téléphone portable pas au volant, collègue. Ouais. Ah là, c'est bon, je suis arrivé sur place. Ah, c'est pour ça que tu m'as fait bugger. Parce que du coup, ça m'a fait ralentir ma voiture. Ouais. Oh là là, il saute même pas le perso. Ah bah, on peut plus dire Koulos trop vieux, donc vulgaire, tellement c'est has-been. En gros, c'est ça. Ça va être... Ah, indice trouvé. Ah ouais, faut interroger les... On va interroger les suspects. Là, ils sont là. J'arrive, collègue. J'aimerais vous poser quelques questions si vous le voulez bien. T'as trouvé tous les indices ou pas? Il y a 5 indices à trouver. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? -1 Ah. Deux types sont entrés dans un magasin avec des dames et ont dévalisé la personne en paix de caisse. Alors, c'est loin du comptoir, le liquide dans la caisse, j'imagine. Donc en fait, ils ont braqué. Alors, ils avaient des masques de ski apparemment. Alors, est-ce qu'ils ont tiré? Ils ont tiré 2 coups de feu. Ouais. Salut Adriou. Bah oui, ouais, je t'avais pas vu, t'étais pas connecté en plus sur Discord. Étiez-vous dans les locaux quand le crime a lieu ou avez-vous remarqué quoi que ce soit qui sort dans la lumière? Tu vas avoir une empreinte de main normalement sur le comptoir. Ok. Il y en a un qui a posé une main qui s'est mis sur le comptoir. Ah, ils ont pris l'argent de la caisse. Pourquoi ma souris elle s'affiche? Voilà. Avez-vous... Avait-il un véhicule pour s'enfuir ou avez-vous remarqué quiconque se... Ouais. Est-ce qu'ils avaient un véhicule pour s'enfuir? Oui, bah oui. Bon, là, moi, je suis en train d'interroger le caissier. Moi, je veux interroger... Alors, il y en a un en veste marron, en cuir marron. Cuir marron. Et le deuxième avec un blouson de camouflage gris. Ok. Moi, j'interroge Béatrix. Ok. Voilà, étiez-vous dans les locaux quand le crime a lieu? Est-ce qu'elle était là, elle? Ok. Ils ont blessé personne déjà. L'un d'eux portait un jean bleu. Un jean bleu? Ouais. Ok. Elle était à côté de la voiture en train de se servir de l'essence. Dis-moi quelle est la plaque. J'espère ça va venir. Ouais, j'ai vu un type louche garé à l'arrière de la station-service. Ah, pouvez-vous décrire le véhicule? Pouvez-vous décrire le conducteur? Bah, le véhicule déjà. C'est un van noir. Déjà, on sait que c'est un van noir. Ok, c'est noté. Bon, pouvez-vous décrire le conducteur? Non, il était trop loin, donc elle a pas pu le voir. Tu m'as dit c'était pantalon quoi tout à l'heure? Pantalon? Un jean bleu. C'est bizarre, je l'ai pas dans mes trucs à pièces de conviction. Alors lui c'est Andrew Bolton. Ah, mais faut faire gaffe parce que des fois les témoins il me semble qu'ils se trompent des fois. Donc c'est pour ça. Donc là faut prendre la conviction. Je vais faire une fouille sur le caissier, on sait jamais. Ah oui, moi je vais les fouiller aussi là. On sait jamais. C'est une cliente mais je vais la fouiller. Ouais. C'est pour notre sécurité après. Hein. Ah il y a Adriou Sama qui était... Ah bah t'étais en train de jouer aussi du coup. Il a pas de casier le caissier donc c'est bon. Ouais bah moi elle en a pas non plus et... Attends non, je vais vérifier. T'as interrogé le premier qui était à côté ou pas? Qui est au téléphone? Ouais, ouais lui ouais je l'ai interrogé. Mais je l'ai pas fouillé pas. Est-ce qu'il y a des passants qui ont vu quelque chose? Non. Bah, donc là on va... Non on va rentrer... Pour trouver des pièces à connexion. Encore des témoins qui servent à rien. Ah, il y a une pièce à connexion là ici. Ah, attends, il y a un deuxième mec qui ressemblerait à un caissier là. Là, donc là, on va prélever, je prélève des. Il y a des douilles. Voilà, donc là, il y avait des douilles, ok. Pièce à connexion. Là, c'est. C'est quoi? Des empreintes digitales. Ok. On a que des témoins qui servent à rien. Ouais, c'est vrai, une clé USB. Ok. Ok. Ah. Bon, là, il n'y a rien. Et là, c'est bon, un paquet de clopes. Il reste une pièce à conviction à trouver. C'est bon. C'est le paquet de clopes. Ouais. On a tout trouvé. Bah, du coup, c'est fait. On n'a plus qu'à. Mais... C'est enfin, rare de les trouver aussi facilement. Il n'y a pas un truc à faire là? Non, là, pièce à conviction trouvée, maintenant faut ramener les pièces au commissariat. Attends, on a combien sur le truc? 90 a... Ah ouais. 90. Du coup, on va même pas faire la réalisation des méchants quoi. On a les signalements, mais bah on... peut-être que ça va venir plus tard du coup. Pas sûr parce que j'avais déjà fait une mission comme ça. T'as besoin que je revienne au commissariat ou pas? Ouais, remarque si, parce que j'ai ma voiture de patrouille qui est un peu défoncée. Ouais. Attends, je vais me mettre une... Ah. Ouh, on est loin là. Ah oui, oui, là on est loin, ouais. Je le confirme. Wow. Mais je trouve que la carte, ils se sont inspirés quand même de... GTA. Ils se sont beaucoup inspirés de ça. Hein. De GTA. Ouais, moi c'est pas forcément la carte qui me sera revenue à l'esprit, mais... Bon, y a peut-être l'autoroute, là je peux reprendre l'autoroute, non? Bah moi là j'ai mis le point, là je me dirige au commissariat, mais... Oh là. Ah toi tu vas mettre 3 plombes, j'ai encore arrivé avant toi. Oula. J'adore le popage des véhicules sur ce jeu, ça me fait rigoler. Tu vois les véhicules qui popent au loin. Je viens de te voir passer. Parce que moi je sais même pas par où il m'a fait passer. Je suis le GDPS tout simplement. Ah je t'ai dit que j'allais finir par me repérer dans le jeu. Ah voilà. Ouais. Ah bon non, moi je suis le truc. Par contre, ce qui est con, c'est que tu vois, les indices et les pièces à conviction, ça reste affiché là. Et c'est un peu con, je trouve, parce que t'en as plein l'écran. Ouais, mais ça va s'enlever au moment où on va avoir fini l'enquête. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est fait exprès parce que ça t'évite d'avoir normalement à noter les indices. C'est fait pour ça en fait. Heureusement, s'il fallait tout, comment dire, tout noter, on y est. Ça serait un peu chiant. Attends, moi j'arrive. Et Adriou, toi, t'es en train de jouer ou pas? Je sais pas s'il est toujours sur le stream. Mince, j'ai loupé le parking. Et voilà, tu vas encore trop vite. Ah ouais, mais il y a un gros problème sur les 4x4, c'est les freins. Ah ouais, bah t'as vu, je te l'avais dit. Hein. La petite voiture, ça va encore, mais alors le 4x4, bon, je me gare, voilà. À l'arrache. Tac. Donc là, on a les pièces à convection qu'on va emmener au labo pour qu'ils examinent tout ça. Et bonjour collègue. Bonjour. Bonjour gendarmerie nationale. Présentez le papier du véhicule s'il vous plaît. On n'a pas le droit de se contrôler entre collègues. Non. Bon, je vais voir elle. Do you have anything for us? Yes, I have this. Et bah voilà. C'est bon, je vais donner. Ouais. Oh la vache, par contre, je suis arrivé à 5100. J'ai pris quasiment 400 points, je crois, d'XP avec. Ah ouais, non, c'était un bug. C'était un bug. Je suis à 5460 sur 5500. Ah, donc je vais pouvoir passer à encore un autre grade là. Bah, moi je suis redescendu, en fait, je suis à 4700. Je pensais être à 5100, mais. Et du coup, là, on a juste quelques. Bah, là, on va faire du stationnement. Hein. Ouais, quelques petits stationnements. Puis... Ah non, les véhicules ils sont pas réparés. Ah. On prend la voiture, non? Celle-là, elle est verrier. Ouais, vas-y, ouais, pour du stationnement. Allez. De toute façon, elle est défoncée. La voiture complètement défoncée. Et toi, t'as déjà utilisé en fait Streamlabs OBS ou pas? Streamlabs. Ouais, enfin c'est OBS, mais c'est une version, on va dire plus dynamique. Bah dévolue au streaming. Ouais voilà, mais le problème c'est quand tu vois, je peux voir en live le nombre de spectateurs. Ah, on a un client. C'est bête de ne pas voir. Aïe, le poteau. Mais c'est bête de ne pas voir, tu sais les. Qui est en ligne au final, parce qu'en fait ceux qui sont en ligne tu le vois juste s'ils parlent dans le chat, c'est tout quoi, sinon tu vois pas. Après c'est pour normalement sur le deuxième écran tu devrais avoir Twitch. Après je sais que c'est compliqué parce que ça prend des ressources, mais et c'est surtout que moi je peux pas agir sur le chat parce que tu vois j'ai actualisé le chat etc, mais si je touche à ça et ben on voit plus mon écran principal avec la police. Enfin tu sais je suis obligé de sortir du jeu ou de jouer en mode fenêtré. Sur tablette. Enfin, si t'as une tablette avec Twitch dessus par exemple, ça peut être une solution. Ouais c'est vrai que j'ai mon iPad mais il est pas chargé, mais ouais. Après c'est une idée hein. Après je reconnais que après en VDSL c'est peut-être un peu plus compliqué pour le coup. Et encore mais des fois le chiffre il est pas bon. Bah, par exemple, là je vois, ah tu vois là c'est passé à deux téléspectateurs, donc je sais pas qui est là, qui est pas là. Bah si Adriou ou Nolox ou si vous êtes là, faites-moi signe. Ah tiens, prends le volant, attends. Ouais vas-y, allez. Si vous êtes là, mais. Ah vas-y c'est bon, la fourrière est là. Tu peux y aller. Attends, t'écarte pas trop. C'est bon. Allez, feu. 4850 points. Oh, ah, bah voilà. Bingo. Vas-y, mets-toi derrière, j'y vais. Vas-y. Hop là. Tu me l'as pas fait chier la voiture ou pas? Est-ce que tu peux me le faire? Tu peux la passer au fichier? Comme ça, ça m'évite d'avoir à faire la recherche. Casier level judiciaire vierge. Allez. Ah, Nolox est présent. D'accord, ok. Et c'est ouais, c'est Adriou, ça va, je sais pas s'il est toujours là ou pas. Bon, Nolox, faudra faire un petit stream un jour hein, sur Overwatch. Comme pour la présentation de GameHub. C'est bon pour la fourrière. Comment ça s'appelle? C'est Gemma Phillips. Tiens, je vais scanner. Ah non, elle est trop loin, je peux pas la scanner. Elle. Pfff. Attends, t'as la fourrière qui arrive là. Ouais, mais attends, je vais dégager. Là. Ouais, voilà, je me mets là parce que sinon. Sérieux, je peux la scanner la fourrière. Eh ouais. Tu peux remettre la barre de toi. Ah, attends, on a un appel. Un Pierre Roman. Allez, c'est parti. Ah, yes, allez, c'est parti. Go. Allez, je te lis ça. Pierre Roman. Non, c'est pas par là. Femme adulte d'origine hispanique, cheveux marron court, parka marron, jean rouge. Quartier Dessert Heights. Ici central, attention à toutes les unités. Ouvrez l'œil pour localiser dans le. Ouvrez l'œil pour localiser dans le quartier d'Eastern Heights une déséquilibrée pyromane déclenchant des incendies à l'aide d'engins explosifs improvisés. Merci pour le follow aussi, Nolox. Bonne nuit, puis bah, à demain si on va se croise. Ah, elle passe par là. Je crois que je l'ai vu. Elle est en voiture? Bah, je sais pas, j'ai l'impression. Non? Ah non, j'ai peut-être... Non, ça bouge pas. C'est une zone d'investigation. Enlève les gyros. Par Camaron. Bah là, hein. Par Camaron, elle est là. Attends. C'est elle. Ouais, c'est elle. C'est bon, allez, on joue. Vas-y. Je peux rien faire. C'est à toi de le faire, je crois. Ouais, bah tu la reprends en joue dès que je me mets dessus. Attends. C'est bon. Ouais, c'est parce que j'avais mis en joue direct en fait. Tiens, je suis en mode sniper aujourd'hui. Oh. Putain, dire qu'on était au taser et là on va directement au flingue maintenant. Avec le 1911, s'il te plaît. C'est un peu trop. Allez, criminel, allez rechercher. Ça tombe bien. Allez rechercher en plus. Hop. En fait, pour faire ce genre de truc là, tu devrais être au taser à côté. Ouais, bah oui. Parce que l'arme de poing, alors pipe à crack, un petit sac de méthamphétamine et des cocktails molotov. Allez, c'est le cocktail gagnant. Vous êtes en état d'arrestation. Hop. Allez. Une de plus. Alors par contre, tu vois, un truc qui me frustre un peu dans le jeu, c'est que on te dit t'as un criminel à aller récupérer, et au moment où t'arrives avec la voiture, il bouge pas d'un poil, il réagit pas, en fait, il est pas du tout agressif, il fait rien du tout, il essaye même pas de se défendre quoi. Bon là, je veux bien, je les one shot direct dès que je suis sorti de la bagnole. Je l'ai ciblé, mais bon, je trouve ça un peu dommage, quoi. Pour le coup. Parce qu'il va au moins essayer de se défendre, quoi. Il faudra qu'ils améliorent ça. On verra, ça arrivera peut-être dans une mise à jour, mais là, j'y crois un peu... J'y crois pas vraiment. Ah, ça sera peut-être pour Police Simulator 2. L'année prochaine. Allez, c'est bon. Arrêtez. Yes. Ah bah c'est bon, j'ai obtenu le grade de sergent. Je suis sergent et du coup en tant que sergent, je sais pas si tu as accès à la dernière voiture. Pour le temps qui reste, regarde la camionnette bleue qui est en face là-bas. Ah bien vu. Hey, ah non, attends, elle est sur une place ou pas? Non si, elle est sur une place. Eh merde. L'œil de lynx. On revient au commissariat du coup? Ouais, Remets-toi, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, c'est bon. De toute façon, on s'interdit pas de mettre les sabots à une bagnole s'il y en a une de mal garée. Hein. Évite de faire un strike sur les piétons. Ah, c'est fou, à chaque fois que tu prends le volant, je descends à mort. C'est bizarre ça. Ce qui n'aime pas ma conduite, c'est pour ça. Elle est beaucoup trop dangereuse, ma conduite. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Il doit se dire, oh non, c'est encore lui, il conduit trop mal. Non, mais non. Il est là, le commissariat. Allez, ma voiture, merde. Putain. Le mec, il me rentre dans le cul tout à l'heure et là, il m'a refait le devant. Vas-y, garde-toi en marche avant. Ça y sera là. Quand je suis arrivé comme une bombe. Et puis toi, attends, tu t'arrêtes avec ton 4x4, tu t'enlèves même pas la barre de toi et tout. Et le mec, il éteint même pas les gyrophares. Allez, et puis il fait la même chose avec ma voiture. Ah oui, c'est vrai, j'ai laissé les gyrophares. Le mec, il s'en fout royal. Mais c'est trop ça en plus. Allez, hop, on ouvre. Oh yeah. Le service est terminé. Allez, hop. Ouais. Allez, redescends de la voiture là. Je puisse aller écrire le rapport. Là, je pense, je fais encore une journée de service et je passe le grade de sergent là. Bah, je pense. Je suis vraiment pas loin. Moi, je suis à 5... Là, je suis à 5800 sur 10 000. Après, pour le prochain grade, ça sera 10 000. Allez hop, je tape le rapport. Mais je sais pas si... Alors là on a fait... un grade comme un capitaine, un truc comme ça, mais je pense pas parce que le capitaine de police il est déjà là. 3, 4, 5... On a fait 5 arrestations et 3 appels d'urgence. On a fait plus qu'au début. Hein.